ici Gabi, le noob du 7-4, et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur un jeu un petit peu spécial, puisqu'il s'agit bien évidemment de Restaurant Tycoon 2. Alors pourquoi je suis devant le magasin Ikea, ou Ikea vu qu'on est en France ici? Oui, j'ai un minimum, j'ai déjà joué au jeu, et vous allez voir pourquoi. De toute façon ça doit être écrit dans le titre pourquoi je choisis ce jeu. Mais c'est bien évidemment parce que c'est mon restaurant qui m'a littéralement donné l'intro de ma chaîne. D'ailleurs, normalement, vous avez dû voir une nouvelle intro. Enfin, j'ai fait un petit montage au début. Et... D'ailleurs, vous me dites si vous jamais vous voulez que j'en fasse d'autres des intros. Mon restaurant, il est où? Il est là. Je l'ai construit un petit peu avec tout ce que j'avais. J'ai essayé de mettre le plus de gens possible dedans. Et ça donne ce que vous allez voir. Voilà mon restaurant. Avec les fournitures de Noël, les chefs. Parce que c'est Noël, hein. C'est une ambiance de Noël dans mon restaurant. Je kiffe Noël, et puis j'ai joué, et puis bien évidemment, welcome to Hello les gens. En fait, c'est ça qui a littéralement donné l'intro à ma chaîne. Et enfin voilà, du coup c'est mon restaurant, il y a l'opérateur qui fout rien, du coup qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner un peu de travail. Le seul problème c'est que ça donne beaucoup de travail à mes chefs après. Et après mes chefs, bah on s'en fout qu'ils sont pas contents parce que la plupart ils ont déjà niveau max. Le niveau max c'est le niveau 15 hein, pour ceux qui veulent savoir. Ah c'est ici que je dois aller. Pour faire des nachos. Waouh. J'ai jamais fait de nachos hein. Ah. 3 commandes prises. J'hésite à construire le deuxième étage ou alors à faire le service au volant. Enfin non, pas service au volant justement mais... Comment ça s'appelle le service à la maison là, le drive. J'ai appelé ça le drive. Ah mais c'est bon, ils ont quasiment plus rien là. Je les ai bien aidés. Parce qu'en fait, plus il y en a qui commandent, bah du coup, moins il y aura de gens au service au volant, mais après c'est long parce que... Mais du coup, voilà, je vais tellement vite faire une vidéo sur ce jeu parce que déjà, j'ai une nouvelle intro. D'ailleurs, oui, je vous ai déjà dit ça, mais si jamais vous voulez une intro plus dynamique, genre où avant l'intro, je mette des moments rigolos de la vidéo, vous me le dites, hein. À 5 pouces bleus, je fais ça. Parce que je referai pas de vidéo probablement sur ce jeu, alors à 5 pouces bleus, ça voudra dire autre chose. Il y a plein de jeux où je ne ferai peut-être pas d'autres vidéos. Sauf si je vous avoue que ça a extrêmement plu et que vous me faites 10 000 pouces bleus là. Là, je refais des vidéos tous les jours. Hein. En plus, c'est les vacances, alors vous devez kiffer ça. Merde, j'ai commandé deux trucs. Après, mes cuisiniers, ils n'ont plus rien à faire. Oh, j'ai les macarons. Les macarons, c'est français. Hein. Après, je vais laisser mes chefs galérer. D'ailleurs j'ai dû prendre deux trucs pour pouvoir commander plus de choses parce que sinon en fait je pouvais pas acquérir plus de clients vu qu'il y avait plus de place pour toutes les commandes. Si jamais en fait ils prennent toutes les commandes d'un coup, bah t'es en PLS quoi. Sur un ils décident de prendre les boissons, l'autre le plat principal, l'entrée, le dessert, les biscuits pour enfants. Laisse tomber quoi. C'est bon. Oh 117. La moula, la moula, la moula. 126. De bif, vous me payez combien? 40 pièces pour une table de 2, c'est tout à fait correct. Attention, comment tu vas me rapporter, petit opérateur? Ah, mais je peux pas parce qu'il y a quelqu'un qui attend. Ah, ouais, en fait, vu que j'ai donné, ça m'a donné l'argent de lui. Merde, attends, il y a moins SUV qui bloque. Bon, je vais laisser mes clients commander. Je vais encore peut-être attendre qu'il y ait un autre gars au service au volant qui arrive. Voilà. Il prend sa commande. Et je ferme. D'accord, il dépop. Du coup, qu'est-ce que je fais? Ah merde. Il... Ah, mais il n'y a que lui du coup. D'accord. Pourquoi il attend là par contre? Il attend que ça se fasse la cuisine.
Mais bon, du coup, je vais vous faire visiter un petit peu, hein. Enfin, visiter quoi? Non, c'est vrai, je vous avais dit, je vous montre mes plats. Alors, en nourriture, on va faire cuisine américaine. Ouais, je l'ai pris, hein. Voilà. J'ai cuisine italienne. J'ai quasiment tout en italien. Ouais, tu vois, 75. Japonais, il me manque plein de trucs. Mexicain, j'ai pas mal de trucs aussi. Il n'y avait pas de dessert au Mexique. Hein. J'ai un deuxième. Il y a des burrito steak, burrito poulet. Il y a encore un autre burrito à débloquer. C'est abusé. D'ailleurs, on les débloque dans l'ordre. Tu peux, genre là, si je veux débloquer ça, je peux pas débloquer ça à la fin. Je suis obligé de débloquer ce qu'il y a avant. Français, j'ai pas tout. Pourtant, j'essaye de prendre le plus de trucs qui sont français, mais il n'y a pas énormément de trucs en fait en France. Et boissons, j'ai tout. Ma musique, bah j'ai acoustique extérieur et Noël, mais je prends toujours Noël. Les clients, pack par défaut, pack d'extérieur, pack de Noël. Ils sont toujours habillés en extérieur en Noël. Les voitures, j'ai acheté voiture de sport et VUS. Non, en fait, ça sert à rien d'acheter d'autres trucs. Vu que ça rapporte pas plus de bif, ça rapporte 5, il rapporte 5 chacun en fait. Vu qu'il coûte 5, il rapporte 5. Du coup, le jeu il a bien changé de quand j'ai commencé à y jouer. J'ai jamais joué au 1 parce que le 1 il est fait par quelqu'un d'autre. Mais Ultro il a fait celui-là, il a fait aussi Clone Tycoon 2 que je ferai peut-être pas parce que je l'ai fini. Si, peut-être que je ferai une vidéo, mais vite fait. Là, déjà, là c'est l'origine du Hello Legend. En fait, à la base, c'est Hosto. Quand j'ai commencé à y jouer, j'ai cherché un nom et j'ai mis Bonjour les gens. Si je vous retrouve des. Non, je pense pas que j'ai encore des trucs, mais à la base ça s'appelait Bonjour les gens. Et après, bah, j'ai mis en Hello les gens. Juste. Et puis, j'ai mis en Hello les gens, mais peut-être quoi? Peut-être un an après que j'ai ma chaîne YouTube. Meilleur restaurant. Oh, c'est un petit peu narcissique ça. Je pense que c'est lui, c'est Maracool, machin truc là du Turfu. Qui a tout acheté. Plein aux as. Ah non, c'est My Big Burger. Je vais pas savoir. Mais je pense que c'est le resto de Maracool. Welcome to Pepperoni. C'est ça le meilleur restaurant avec un sol rose. Il y a pas beaucoup de gens qui vont venir. Attends, c'est le restaurant de qui ça? Ah voilà. Bisque de homard. Ah. Mais si, c'est Maracool dans ce restaurant. Elle est plein aux as, c'est. Ah, mais il y a des drivers! Bah alors, c'est qui l'autre? Moi, une fois, j'avais vu un resto, mais il était trop stylé! Ah, d'accord, ok, donc les serveurs hip-hop du sol sont. Non. Mais je sais pas où il est, le gars! Il a pas l'air d'être ouf, ce restaurant! Vraiment, il y a une table en extérieur devant. Non, moi, c'est à l'arrière. C'est derrière ma cuisine, c'est pour ça que c'est pas ouf. Tiens, pepperoni, je vais checker. C'est de Hauski. Ah, il y a pas beaucoup de moula. Donc ici, on a le resto de la meuf qui achète rien avec ses 7000 thunes. Bon, elle a quand même, à ce que je vois, le truc pour commander, là. Il lui manque juste l'étage, je crois, à acheter. Bon, je m'en fous, moi, j'ai le Hello les gens, visitez-nous aujourd'hui. Je sais pas pourquoi il y a ça ici. C'est peut-être un easter egg. Il y en avait avant des easter eggs dans le jeu. Il y en a toujours. Meilleur restaurant. On sert du cheeseburger. Je suis pas sûr que ce soit ouf. Wow, mais il y a des gens, ils sont abusés dans les jours. 10 000 jours. Vraiment, le gars il est tryhard. Et il est que deuxième dans XP. C'est Salut qui est premier en XP. Wow, il est que. Il était pas très bien placé. Alors, ça paye de la moula. 111 pièces pour une table à 4. 45 pièces pour une table à 2. Imaginez une table de 6 full gold. Parce que les gold, ils rapportent un peu plus. Table à 4, 52, c'est pas ouf. Table à 6, 73. Ils ont rien commandé. Ou alors ils sont là, ils sont que 4. D'ailleurs, mon escalier, il sort de chez moi. Donc attendez, je propose on va à la grande roue. Ça se trouve c'est un easter egg et elle roule pas, mais moi je vais y aller quand même. Ouais, là, moula.
Pourquoi c'est des cabines de télésiège le truc? Est-ce qu'on peut s'asseoir au moins? On peut même pas s'asseoir. Est-ce qu'on peut grimper dessus? Oui, tout à fait. C'est comme celle de Natural Disaster Show. Ou celle du Hobby. Vous vous souvenez? La grande roue du Hobby. Bien, si vous voulez que je refasse une vidéo sur le Hobby, bah faut mettre les pouces bleus. Non, je vais pas arrêter pour ça, c'est juste parce que j'avais perdu tous les règles et. Je me suis dit flemme parce que c'est tellement dur. J'ai perdu tous les règles des deux derniers épisodes en easy et des deux premiers en hard. En médium, je veux dire. Parce que j'ai pas débloqué le hard. Mais déjà, le médium, c'est super dur. Et je crois que j'ai fait un autre épisode en médium, mais j'ai perdu. Ah non, j'habite pas à Pepperoni, moi. Moi, j'habite à Pepperopette. C'était pas drôle, je sais. Ah d'ailleurs, l'autre jour, on a découvert des historiques de fou sur quoi. Burger, je vous ferai peut-être une vidéo dessus aussi, mais je suis pas sûr là. Là pour le coup, c'est moins garanti que je fasse des vidéos sur Cook Burger. 84 pour une table à 4. 53. 22 de pourboire. Mais j'ai soué plein aux as. Oh, on a pas pris ta commande, toi. 75 alors qu'ils étaient que 4. Je vais remettre le service au volant parce que. Parce que sinon, après, mon opérateur il gagne pas de niveau, il boude. Il gagne des e-boudes. Ça donne pas énormément d'argent, hein. Ça donne une trentaine d'euros. Wow, chicken wings. What? Il y a 3 enfants golden. Je crois en fait les enfants ils sont en or. Non, il y a un papa en or. Ah, oh, spaghetti aux boulettes. Ah, je suis obligé. Crème caramel, ce sera demain. Hop. Et voilà, je ramasse le fric, je vous donne la table. C'est comme ça que ça marche ici. Est-ce que vous en sortez, cuisinier? Ça va en vrai. On a vu pire. Regardez. Il y a 3 golden et 1 gris. Je sais pas ce que c'est le gris. C'est peut-être qu'il commande tout. Plat de spaghetti bolo pour enfants. C'est qui le spaghetti? Ah mais c'est derrière. Ah non, c'est toi. Non, là, je sais pas. Yolo. Donne-moi la moula. Non, c'est l'opérateur qui l'a fait. Le schlag, il me vole mon fric. Bah, de toute façon, je vais pas tarder à finir cette vidéo parce que c'était juste une présentation de ça. Comme ça, vous voyez aussi ma nouvelle intro que j'ai fait. Vous me dites si vous l'aimez. C'est une intro assez courte avec le volume qui diminue quand je fais mon intro. Mais du coup, voilà. C'est. Oh, voilà, je déteste bloguer là-dessus avec mon SUV. Mais bon, ouais, mais il y a personne ici qui va venir voir cette pancarte. Nous servons burrito steak, plat de mochi. Ça met tous mes plats que je sers. Bon, du coup, si cette vidéo vous a plu, ouais, je sais, je vous abandonne comme ça, mais je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce jeu, quoi. Vous verrez peut-être. Je pense que je ferai pas d'autres vidéos vraiment sur ce jeu. Je devais le faire parce que c'est ça qui m'a donné l'origine de mon Hello les gens, quoi. C'est comme je vous ai dit, à la base, c'était Bonjour les champs, mais je voulais un truc plus original. Du coup, j'ai mis Hello les champs. Et du coup, bon bah si vous avez aimé, n'hésitez pas bah, à liker justement, c'est ça qu'on fait quand on aime les vidéos du Gabino, non hein. N'hésitez pas à aimer, partager, faites tout ce que vous voulez, vous abonner au passage. Et aussi, pensez bien à rester en forme parce que là, il y a de la vidéo qui va arriver pendant les vacances, des vidéos cool, des vidéos peut-être avec des potes, mais ce sera moins sûr parce que les potes aussi ils seront en vacances. Bon, c'était Gabi Noob, à plus.